Notre club de foot est en route pour la Brasile. La découverte d'un nouvel environnement et de leur camp de passe, le prestigieux Formula Uno de Santa Maria. Les yeux dans la saucisse, épisode 1, c'est now. Supporte la bonne attitude, LMAA. Quand on a pris le chemin pour le Brésil, on a vraiment fait attention à tous les détails. Hein. Alors on a pris le bus, le pont, le Benz, là, on a pris tourné. Hein. Et après, on a pris un avion, et curieusement, il n'y avait pas de tennis. Le commandant de port, il a laissé la fenêtre ouverte parce que groupe de mecs ensemble, hein. Ça fouette. C'est une annonce de l'équipage. Vous savez qu'à la Lufthansa, tous les pilotes sont stressés et en dépression, donc je vous demanderai de pas nous faire chier. En vos versions d'avance, ciao. Lagos, regarde, j'ai téléchargé le Kansas Challenge. T'as l'air cool, hein? Hein, du rôle? Arrivé sur place, oh, étant brésilien, non? Corriche, bus de merde, même pas un pence. On a pris un pack, traversé une espèce de fleuve qui ressemble au Rhin, mais en plus moche. Faut marche ici, c'est paix. Même à travers mes répands, c'est moche. C'est moche? Mais c'est moche, Charles? T'as vu tous ces ploucs là, toi? Prendre une photo, j'ai jamais vu un endroit aussi, les. Quand est-ce qu'on va? On se casse! Quand on arrive à notre hôtel au Formule 1, il y avait tous ces orches fégales, Antonio, qui applaudissaient. En fait, ils applaudissaient les valises. Oh, je n'avais jamais vu tes valises rouges. Un vent de fulence. Mais Art King Ox Wurt! Restons là! Allez, on chope! Dans le Formule 1, il y avait une piscine, enfin je dirais plutôt un trou avec la flotte, ils mettent les saucisses, et du coup on a pris le chérant et on l'a pas lancé de temps. Le mec en 10 minutes, hein, avec la racine, il était pouffé jusqu'au saut, hein. Restait rien. Dans ce club, c'était mail, c'était vraiment pas possible. Il y avait même des araignées chiantes, alors elles avaient tissé leur toile juste à côté des toilettes collectives. Alors moi j'ai jamais fait plus caca dans les toilettes, je faisais ça dans le jardin. T'as mis s'acheter une paire de petites cordes, toi? Ma chrante, ça sent trop mauvais. Tu trouves pas que c'est une drôle d'odeur? Change de slip. Mais j'ai changé la semaine dernière. Le terrain d'entraînement, il était juste à côté de la télécharge publique, alors il fallait bien y aller. Alors on y est allé, on a mis nos salements short, pour vous dire. Heureusement que j'ai pris ma bouteille de Théo. T'as lâché une caisse ou quoi, là? J'ai l'impression d'être chez moi, la même hauteur. Kebab. Kebab brésilien, au perroquet. On avait peine touché le ballon et que là, amitié Deutschland Brésil, on s'est fait piquer un t-shirt par un pygmé avec des plumes. Ah, ça devait être un tzigunr, couleur locale. Nickel et chauve, nickel. Ce qui était super, c'est les beuveries. Souvent le staff organisait des soirées, alcool, abend, et c'était vraiment chouette. Sauf qu'il y avait le Steini un soir. Ouais, on était sortis au village, chercher un peu la merde, casser la gueule au plouc. Et le Steini s'est fait pécho par les lolis du coin. Mais il était tellement que sauf que pour rentrer, on a dû trimballer à Totan. Moi, ouais, mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment ça. Alcool et baston. Manu, ça se passe comment votre installation brésilienne? Oh, c'est fourriche par, c'est église en plus. On a tous chopé des poules, des tiques, des puces. Ouais, ça me gratte, ouais, on a marre. Il va qu'on rentre. Est-ce qu'on va voir le traîneur à la conf, hein? Manu, il va venir? Ah, ça, je sais pas, depuis ce matin, il attend son tour au chiotte. Putain, encore trois. Ouais, je serre les fesses, ça va aller. Le temps d'aller aux toilettes, la conf était terminée depuis 2 heures. Mein Schwarz, moi je voulais juste écarpir rentrer chez moi. Une Schwarzwald. Heureusement qu'on avait le Kansas Challenge sur notre smartphone. On a pu faire un peu de compète, même si personne n'a jamais réussi à dépasser le score de 1. Qu'est-ce que le rectangle plan? Un triangle, un cercle ou un truc? C'est là où on met des buts, mais vous verrez dans le prochain épisode, je me suis bien cassé la tête avec mon équipe là-dessus. Moi, ce que je retiens, à notre arrivée, c'était un peu l'hystérie parce que toutes les moches brésiliennes, c'était la première fois qu'elles... Bah, qu'elles voyaient tes beaux mecs, hein, du vrai mec. Pas de tes mecs avec tes strings à l'envers, hein, comme ils ont l'habitude, hein. Les mecs soignés, il fallait voir tous ces mochetés en train de pleurer.
Ouais, quand t'es pauvre, et que tu le sais, ça fait crier, ça fait pleurer, ça fait que se lamenter. Ouais, ça c'est le Culture Style, et vous verrez, la suite est sa aventure. C'est pas mal non plus. Allez, je vous dis tous, ciao. Mm-hmm.